Bonjour. Alors justement, j'étais en train de terminer votre composition pour votre salle d'attente, tout à fait. C'est très beau. Alors dans ce cas-là, je vous la livre comme convenu, demain. Ah, moi je vais celui-là déjà. Celui-là, t'es sûr? Oui. Mais alors moi, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-là, tiens. Il est très beau celui-là. Celle-là, ouais. Je vois que vous avez un beau catalogue, là. C'est pour les mariages? Oui, tout à fait, oui. J'ai réalisé une composition en fleurs artificielles qui était destinée pour un événement. D'accord. Nous les vendons, mais nous pouvons aussi les louer. Dites-moi là, quelle est cette espèce d'oiseau? Alors ça, c'est un petit perroquet nain donc d'Afrique. Et il a une particularité, c'est qu'il est né ici. Il est né en France et qui plus est sur la région. Toi, t'en veux un, toi? Ah ouais, je pense. Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Il est très beau. Là, effectivement, vous avez un très bel exemple d'aquarium récifal. Donc, pierre vivante. Coraux mous, ce qu'on appelle coraux mous, donc c'est des coraux qui vivent, qui sont en symbiose avec les pierres et les poissons directement dans l'océan. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Yvan. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va bien. Depuis la semaine dernière, est-ce que vous avez eu un petit moment pour jeter un coup d'œil à notre plan? Parfaitement. Alors, comme vous m'aviez laissé le plan masse, j'ai pu vous dessiner le massif qu'on prévoit de faire. D'accord. Donc, je vous propose un aménagement avec la plante méditerranéenne exotique pour donner un aspect particulier à cet espace et pour mettre en communication visuelle les deux espaces de terrasse en teck. D'accord. Voilà. Là, on finit de voir les plantes ensemble, on va les regrouper. D'accord. Il faudra prendre le terreau, puis je vous propose une livraison plantation pour la semaine prochaine. On se met d'accord sur le jour. Si c'est parfait, ça. Oui, c'est bien. Donc, les Dracaena, c'est ce que vous avez sous le parasol, là. D'accord. Voilà, vous avez les fétuques et les stipa ici, qui vont donner de la souplesse au massif. Et puis, vous ne passerez pas entre les deux espaces, mais donner vraiment une abondance de feuillages différents, voilà. De textures différentes pour que l'œil ne s'ennuie pas, que vous ayez plaisir à être dans ce jardin-là. Tout à fait.